producteur Maza TV, la chaîne privée de Londres. Maza TV, le producteur international. Chers internautes, chers amis de Maza TV, Maza TV au Congo, Brazzaville, je voudrais remercier tous mes amis et internautes de Maza TV qui m'ont soutenu de près ou de loin pendant la courte détention qui a été en réalité une interpellation des autorités congolaises. Cela a été une interpellation de routine pour un journaliste de renommée comme Maza TV, afin de prendre contact et de déterminer le but de ma présence au Congo. Maza TV est amené à travailler avec des personnes de plusieurs horizons, comme les Américains, les Brésiliens, les Allemands, les Anglais et Africains. Pendant mon interpellation, plusieurs rumeurs ont circulé. Rumeurs selon lesquelles j'aurais été maltraité pendant ma détention. Permettez-moi de le démentir. Toutes les personnes que j'ai eu l'honneur de rencontrer pendant cette courte période ont été très courtoises. Et je tiens d'ailleurs à remercier mon frère Moudjara, Caporal, le petit gogo, le petit des chefs, et sans oublier aussi d'autres personnes. Et tous les autres pour leur soutien, leur attention et leur compréhension. Je voudrais également remercier la presse écrite pour leur soutien. Je remercie les acteurs et les amis de la SAP. Je me porte bien. La chaîne Maza TV sera bientôt installée au Congo. Salut mes chers internautes de Maza TV. Merci. Producteur Maza TV, la chaîne privée de Londres. Maza TV, le producteur international.